Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit: Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? Puis s'adressant à tous: Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait: Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit: Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même: Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit: Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu.